Bonjour Sophie Perlet, bienvenue. Donc vous êtes venue assister aux conférences données par la Fondation XIO. Je vous laisse vous présenter. Bonsoir. Sophie Perlet, je suis philologue, spécialisée en philologie slave de formation. Mm-hmm. Je suis enseignante et coordinatrice culturelle. D'accord. Et qu'est-ce que vous êtes venue en fait assister à ces conférences aujourd'hui dans le cadre de la Fondation? Le thème était le couple, la sexologie et la thérapie. Quelles étaient vos attentes et votre intérêt? Alors moi, peut-être par un peu défaut professionnel, j'ai toujours une curiosité par rapport à la langue et au langage. Mm-hmm. Et j'ai trouvé intéressant d'entendre un petit peu comment on parle de sexualité et de sexe. Je viens de passer 18 ans en Russie, je viens de rentrer de 18 ans de vie à Moscou. Et j'ai constaté qu'en Russie, on pratique la sexualité, mais on en parle très peu. En mm-hmm. fait, même pendant à l'époque soviétique, on disait le sexe n'existe pas. Mm-hmm. Et donc, j'ai constaté que, par exemple, au niveau linguistique, on parlait de sexualité du point de vue médical ou alors du point de vue dans un langage plus vulgaire ou plus populaire, mais qu'il n'existait pas du tout, par exemple, de littérature érotique ou de discussion autour de la sexualité. C'était vraiment intéressant d'entendre les intervenants aussi. C'était curieux de voir quels mots ils utilisaient en appelant un chat un chat. Donc moi, c'était aussi cet aspect-là, disons, qui m'intéressait aujourd'hui. D'accord. Et donc, par rapport à la Fondation en elle-même, qui est là pour parler des médecines intégratives par rapport à la médecine classique, à la santé, est-ce que vous voyez dans l'avenir une complémentarité de plus en plus avancée entre les deux pratiques? Oui. Alors, moi, je ne parle pas du tout en tant que professionnelle de la santé. Non, mais en tant que patiente. Je trouve que c'est une fondation extraordinaire qui réunit, je pense, beaucoup d'attentes de patients qui vont consulter tantôt des médecins allopathes, tantôt plutôt dans la médecine alternative, comme mm-hmm. on l'appelait avant. Ouais. Et je pense que vraiment, cette fondation donne l'espoir de pouvoir conjuguer les deux, de ne plus être forcément loyal seulement à un type de médecine, mais de pouvoir enfin conjuguer les deux. De manière professionnelle, de manière rigoureuse et sans scrupule de devoir choisir entre les deux, mm-hmm. je dirais. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Sophie Perlet. Je vous en prie.